Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Mieux faire connaître la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin, c'est l'objectif principal des rencontres d'information et d'échange qui se sont déroulées ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit pour les autorités de donner plus de visibilité à l'institution afin de la rapprocher des citoyens qui sont les premiers bénéficiaires de ces actions. Les détails dans un instant. Dans ce journal, nous parlerons également de la 8e session du comité régional de pilotage du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières de l'Ouest. Près d'une dizaine de pays de la sous-région participent aux travaux, devant aboutir à une amélioration des performances. Dans ce journal, nous ferons le point de la cérémonie d'ouverture des travaux qui se tiennent à Cotonou. La guerre contre les auteurs d'inflation relative aux produits de grande consommation se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Des boutiques sont mises sous scellé à Boïcon et à Baumé. C'est le résultat des descentes effectuées dans les marchés et autres espaces marchands des deux villes. C'est une opération menée par la direction départementale du commerce du Zou et des Collines. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Lancement des rencontres d'information et d'échange sur la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie qui s'est déroulée ce vendredi à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou vise à donner plus de visibilité à l'institution qui reste plus ou moins mal connue du grand public. L'objectif de cette initiative est donc de rapprocher l'institution des citoyens qui sont les premiers bénéficiaires de ces actions. Oulia Tsanoussi pour plus de précisions. La grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin se révèle au public. Cette institution, dont la mission est de reconnaître et récompenser le mérite des citoyens, est quasi inconnue et souffre d'un manque criant de visibilité. D'où l'organisation à Cotonou de ces rencontres d'information et d'échanges sur la grande chancellerie. Elle constitue une réponse à un diagnostic interne. C'est donc dans l'indifférence quasi totale que nous célébrons l'excellence et le mérite sous nos cieux. C'est à croire que nos dérives, fautes et manquements intéressent ou retiennent le plus notre attention que le mérite, l'excellence, la droiture ou la vertu. L'objectif visé à travers cette dernière activité est d'améliorer la visibilité de la structure et de renforcer sa contribution à l'émergence d'un nouvel état d'esprit au Bénin en vue de la bonne gouvernance. Il importe donc que la grande chancellerie se réforme, se métamorphose, se réinvente de manière à être une institution de culture et de promotion des valeurs qu'elle récompense in fine. Les présentes rencontres font partie des réformes et activités inscrites au plan de travail annuel 2022 de la Grande Chancellerie. Et c'est dans ce cadre qu'elle a reçu l'appui financier de la coopération suisse. La dynamique de redevabilité voudrait que, au terme de l'exercice d'un certain nombre de fonctions, les porteurs d'obligations puissent rendre compte et que les plus méritants soient récompensés. La cérémonie de ce jour consacre le lancement des rencontres d'information et d'échanges sur la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin, lesquelles rencontres se dérouleront dans les chefs-lieux des départements sur l'ensemble du territoire national et rassembleront vos représentants au niveau décentralisé et déconcentré. De par sa mission, la Grande Chancellerie contribue à l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Elle est en fait l'un des principaux leviers de la bonne gouvernance, du développement et de la véritable indépendance du Bénin. Invités à la cérémonie, des autorités saluent l'initiative. C'est un moment important dans la construction de notre pays. Et en faisant connaître la chancellerie, la Grande Chancellerie, en montrant que notre République n'est pas seulement une République qui punit, mais une République qui élève aussi, qui reconnaît ses fils qui se sacrifient. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Avec cette présentation, on a compris que non seulement les cadres, mais aussi la société civile et tous les citoyens qui auront quand même accompli de bonnes œuvres seront récompensés. Selon la grande chancelière, son institution ne peut seule relever le défi de sa visibilité et de sa contribution à l'avènement de la bonne gouvernance au Bénin.
Elle a besoin de tous comme partenaire et compte donc sur leur accompagnement et facilitation. Les députés membres de la commission des lois et quelques-uns de leurs collègues d'autres commissions de l'Assemblée nationale s'imprègnent du projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides en République du Bénin. Il s'agit d'un projet de loi qui vise à moderniser le cadre juridique en matière de protection des réfugiés afin qu'ils répondent aux normes et standards internationaux. La séance de travail est présidée par le président de la commission des lois en présence des responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Reportage. La proposition de loi portant statut des réfugiés et apatrides fait objet du séminaire parlementaire ce vendredi 15 juillet, initié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Ce séminaire va permettre aux députés de mieux cerner les différentes dispositions contenues dans le document pour faciliter les débats en commission et au cours des travaux en plénière. Avec ce qui se passe à nos frontières nord, nos amis du Burkina de plus en plus viennent au pays et il était bien que nous puissions évoluer, nous puissions faire bouger notre acte législatif par rapport à la question des réfugiés et des apatrides. Je voudrais aussi dire qu'il y a un projet de loi en suspens donc à la commission des lois depuis le code de la nationalité que nous n'avons pas étudié parce que nous voudrions quand même qu'il y ait certaines harmonisation avec ce test-là dont nous allons nous employer aujourd'hui. Je pense que dans la foulée et le test relatif aux réfugiés, aux apatrides et le code de la nationalité dans la foulée, nous allons doter notre pays de ce test-là dans les prochains jours. Le projet de loi dont les dispositions sont exposées aux députés au cours de ce séminaire parlementaire vise à corriger les insuffisances du cadre juridique existant, régi entre autres par l'ordonnance de 1975 et portant statut des réfugiés au Bénin. Le document n'incorpore pas un certain nombre de dispositions conformément aux standards et normes internationaux. La nouvelle loi soumise à l'appréciation des députés comporte des innovations pour mieux protéger les réfugiés au Bénin. Et donc l'originalité que nous pouvons déjà noter dans ce projet de loi, et c'est d'abord de dire qu'il existe un cadre juridique qui va régir à la fois les réfugiés et les apatrides. Deuxième originalité, c'est de dire que désormais le statut d'apatride peut être conféré par l'État béninois. Une troisième originalité, c'est tout ce qui concerne en fait le traitement du réfugié au même titre que les nationaux, en termes d'accès aux services, à l'éducation, aux services sociaux de base, et en d'autres termes, aussi l'accès aux institutions financières à travers la documentation ou les documents d'identité que le gouvernement béninois délivre aux réfugiés et aux apatrides, lesquels documents leur permettront de jouir effectivement des droits fondamentaux, que ce soit les droits économiques, sociaux, culturels et les droits collectifs. Après le séminaire d'imprégnation, le projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides sera au menu des prochaines sessions à l'Assemblée nationale pour sans nul doute être adopté. Si les députés donnent leur feu vert, le Bénin sera le deuxième pays dans l'espace CEDEAO à moderniser son cadre juridique qui protège à la fois les réfugiés et les apatrides. Parlons à présent du lancement de la plateforme de recrutement de 700 professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. C'est une initiative du ministre du Tourisme pour améliorer la qualité des prestations de services dans les secteurs concernés. À travers ce projet, les acteurs seront formés pour mieux vendre la destination Bénin. Ali Momoni pour les détails. Donc le moment viendra où nous allons être beaucoup plus sévères sur la qualité. Le temps ferme. On peut être un hôtel, un établissement sans étoiles. Mais il faut respecter une qualité. On n'a pas besoin d'abord d'être un 5 étoiles avant de respecter la qualité. La qualité, c'est à chaque niveau. Des idées cohérentes. Jean-Michel Abimbola ne tarit pas de mots pour expliquer les ambitions du gouvernement aux acteurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Et tout ce qui est fait en ce moment dans notre pays, c'est fait pour justement le développement de la destination Bénin. Quand on construit des routes, quand on investit dans le numérique, quand on investit dans l'électricité, dans la santé, tous ces secteurs
concourt justement à améliorer cette destination. Le sujet du jour, c'est le lancement de la plateforme de recrutement de 700 professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Il s'agit d'un projet de formation qui vise à mettre au pas les professionnels vis-à-vis des normes internationales. Mais nous ne pourrons pas arriver à un résultat si nous n'avons essentiellement deux facteurs. Le facteur de la qualité. Le deuxième facteur essentiel, évidemment, c'est la formation et le renforcement de capacité. Ça veut dire la formation initiale et la formation continue et professionnelle. Les 700 professionnels qui bénéficieront de la formation seront retenus à la suite d'un appel à candidature. Celui-ci prend en compte le personnel de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration et même de la cuisine. Cette étape de recrutement est précédée de la formation des formateurs et de l'élaboration des catalogues qui serviront au recyclage des 700 professionnels. Pour la réalisation du présent catalogue, plusieurs séances de travail ont été organisées régulièrement par l'équipe d'expertise du cabinet Sphère avec les experts béninois afin d'intégrer leurs contributions et leur expertise à la fois sur le fond que sur la forme pour chacun des modules. Cette initiative est la formule temporaire pour mettre en œuvre le tourisme rapide en attendant que la stratégie de formation du ministère de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle soit entièrement opérationnelle dans le secteur. Ceci entre en ligne droite des actions prévues dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 à travers l'axe stratégique 4 qui vise en son point 6 à faire, je cite, faire du Bénin une destination touristique majeure du continent et du monde. Fin de citation. Je vous exhorte par conséquent à vous inscrire massivement en ligne en vue de renforcer vos capacités pour améliorer vos prestations et contribuer à rehausser l'image de notre pays. Faut-il le souligner, pour la formation des professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, le gouvernement a opté pour des formateurs locaux. Du matériel pour renforcer la qualité de production de la télévision privée commerciale Canal 3 Bénin. La représentante résidente de l'UNICEF était dans les locaux de nos studios ce vendredi 15 juillet 2022. Et à travers sa personne, l'UNICEF offre à Canal 3 Bénin un lot d'équipements pour l'accompagner dans sa mission d'information et de formation du public, surtout pour la protection et la promotion des droits des enfants et des adolescents. Reportage. Un vendredi, pas comme les autres, à Canal 3 Bénin. Dans la cour, le personnel de la chaîne de télévision, tout secteur confondu, après l'émission Actu Matin. L'organe reçoit la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin, Diana Boumahandé. But de la visite, la consolidation du partenariat entre Canal 3 Bénin et l'organisation onusienne. Une volonté qui se traduit par un acte d'accompagnement. L'UNICEF apporte en soutien aux actions de Canal 3 Bénin au profit des enfants et des adolescents un lot d'équipements audiovisuels. Le rôle des médias est crucial pour apporter des informations de bonne facture aux populations, y compris dans des zones de faible accès à l'information. Par conséquent, les médias sont des partenaires stratégiques de l'UNICEF pour réaliser des résultats importants en faveur des adolescents et des enfants. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour nouer, entretenir et consolider des bons partenariats avec le secteur. Cette remise de matériel à Canal 3 Bénin n'est pas la première. La relation entre les deux structures date de plusieurs années et la directrice de la chaîne de télévision réitère l'engagement de l'organe à œuvrer davantage pour pérenniser le partenariat au grand bonheur des enfants et des adolescents. Ces matériels donc audiovisuels nous seront d'une très très grande utilité car leur choix a été fait par nos soins pour l'optimisation de la qualité de nos diverses productions audiovisuelles. Ces matériels vont, entre autres, servir à porter à la connaissance du grand public les activités de l'UNICEF au Bénin, vous l'avez dit tantôt, Madame la représentante. Ainsi donc, en fonction des zones et des régions dans lesquelles Canal 3, la télévision, et Fraternité, notre radio, qui est à 400 km de la ville de Cotonou, sont sollicitées, nos équipes réagissent promptement pour assurer la couverture médiatique des événements identifiés par votre équipe de communication. Pour cette année, c'est un lot d'équipements d'une valeur estimée à 20 millions de francs CFA
qui est remis à Canal 3 Bénin. On a reçu des micros professionnels, des micros sans fil et des micros à fil aussi. On a reçu des micro-cravates, des cartes mémoire pour nos caméras. On a reçu des disques pour les journalistes aussi, pour le transfert de leurs éléments après montage, si possible. On a reçu également un mini-serveur qu'on appelle NAS, qu'on mettra à la disposition de la rédaction pour le stockage. On a reçu des trépieds de reportage. À la suite de la cérémonie de remise, la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin et sa délégation ont effectué une visite guidée des locaux de Canal 3 Bénin. Faut-il le souligner, à l'issue de la rencontre, les deux parties ont pensé des productions qui seront bientôt diffusées sur la chaîne de télévision. Cotonou abrite depuis ce vendredi 15 juillet 2022 la 8e session du comité régional de pilotage du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières de l'Ouest. Près d'une dizaine de pays de la sous-région participent aux travaux devant aboutir à une amélioration des performances. Il s'agit de la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sao Tomé et Principe, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Ghana et bien évidemment le Bénin. Nous allons suivre. Rencontre à Cotonou des membres du comité régional de pilotage du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Plusieurs pays de la sous-région y prennent part. Nous sommes pratiquement arrivés à une phase décisive de la réalisation de ce projet. Il y a plusieurs années qu'on parle de la protection de la côte, mais nos populations ne perçoivent pas ou ne voient pas le concret, c'est-à-dire ce qui est en train de se réaliser de façon concrète sur ces côtes-là. Et je crois que le fait d'aborder cette question de façon collégiale s'explique parce que la côte n'a pas de frontières. À 18 mois de la clôture du projet, des progrès importants ont été accomplis dans sa mise en œuvre. On pourrait évoquer le développement et le renforcement du travail collaboratif entre les niveaux régional et national, entre les institutions régionales et internationales, le renforcement de l'efficacité de la coordination des investissements et de la cohérence des interventions. La mutualisation des compétences et des efforts entre les institutions régionales de mise en œuvre et l'enthousiasme dans la coopération régionale. Autant de progrès enregistrés après quelques années de mise en œuvre et à cette 8e session du comité de pilotage, il sera question pour les participants d'apprécier les conclusions de la revue à mi-parcours et de formuler les orientations pour l'amélioration des performances. L'objectif du projet WACA, il faut le rappeler, est d'inverser au moyen et long terme les tendances actuelles de l'érosion côtière et de la dégradation des écosystèmes littoraux, et de répondre également aux engagements pris dans le cadre des conventions internationales en matière de gestion des changements climatiques, de la biodiversité et de la protection des ressources naturelles. Préoccupé par les impacts négatifs de la dégradation du littoral ouest africain, je voudrais inviter tous les acteurs de mise en œuvre du programme WACA-RESIP des 6 pays à continuer à s'investir pour l'atteinte rapide des résultats de façon à réduire l'impatience des populations. Le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest est déjà à plus de 3 années d'exécution. Il est à souligner que les résultats atteints par les États sont reluisants et l'engagement est pris pour faire du projet WACA un pilier de développement. Du hautement social en plein air, le gouvernement lance la 2e phase du microcrédit à la FIA pour mieux aider les populations démunies et surtout les femmes. Le lancement officiel de cette opération qui vise à rendre les femmes autonomes et financièrement épanouies s'est déroulé ce jeudi dans la commune de Kouamansé. Assimo Kayansongon pour les détails. Pour la phase 2 du microcrédit à la FIA, une surprise pour les bénéficiaires. Elle est portée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance,
Véronique Toinfo-de-Mewanu, lors du lancement fait dans la commune de Bomassé. Le gouvernement a donné des instructions fermes pour le lancement rapide de la deuxième phase du microcrédit à l'AFIA, portant sur des montants allant de 50 000 à 100 000 francs CFA. Cette deuxième phase s'adresse principalement aux bénéficiaires ayant bien remboursé leur crédit de la première phase. Mais les nouveaux demandeurs ayant besoin de financement supérieur à 50 000 francs CFA peuvent directement y accéder si les SFD jugent leur capacité d'endettement suffisante. Fidèle à l'objectif de réduction du coût du crédit, le gouvernement a opté pour l'application des mêmes conditions que pour la première phase. Ainsi, le taux d'intérêt est maintenu à 8% l'année. La ministre rassure anciens comme futurs bénéficiaires des dispositions prises. Les dispositions sont prises pour que vous soyez vite et bien servis. À vous les bénéficiaires qui avez des échéances en retard, je vous exhorte à honorer vos engagements afin de ne pas vous bloquer l'accès à la deuxième phase et à d'autres interventions du Fonds national de la microfinance. Plusieurs intervenants ont salué les efforts faits depuis le lancement du microcrédit. L'accent a été également mis sur ses impacts. En 18 mois, nous avons distribué des crédits pour près de 13 milliards au profit de 270 000 bénéficiaires à travers les 14 systèmes financiers décentralisés partenaires. Depuis le lancement de la phase 1, le 20 octobre 2020 à ce jour, le microcrédit à l'AFIA s'est révélé un véritable outil de lutte contre la pauvreté. L'approche de sa mise en place basée sur la digitalisation des processus de décaissement et de remboursement permet de toucher facilement diverses couches de la population cible et d'atteindre plusieurs objectifs. Les frais de formation n'ont pas changé et sont maintenus à 400 francs CFA. Aussi, la prime d'assurance décès reste-t-elle à 1,2% du montant du crédit. Les seules différences portent sur la durée de remboursement, comprise entre 6 et 10 mois. Alors, présent au ministère de l'Économie et des Finances, où le gouvernement vient de signer 3 conventions avec l'Union européenne. Il s'agit d'une convention de financement qui vient en soutien au programme d'action du gouvernement deuxième génération et qui répond d'ailleurs aux nouveaux défis de développement économique et social du Bénin. Au total, 3 projets et programmes sont au cœur de cette convention. Reportage. C'est un acte qui consacre la signature de conventions de financement par le gouvernement avec l'Union européenne. 3 au total, elles sont signées sous la supervision du ministre d'État Romuald Ouadahi. D'un coût global de 16 milliards de francs CFA, les dites conventions s'inscrivent dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Un programme indicatif multi-annuel qui couvre la période 2021-2027. La cérémonie de ce jour souligne l'engagement réel et constant de l'Union européenne auprès du Bénin, que nous souhaitons poursuivre dans le cadre d'un partenariat ambitieux, moderne et tourné vers l'avenir. Comme vous le savez, Monsieur le ministre d'État, l'Union européenne travaille étroitement avec les États membres et les institutions financières européennes suivant l'approche Équipe Europe comme moyen de renforcer la coordination, la cohérence et la complémentarité. Laissez-moi conclure en soulignant notre ferme intention de continuer à vous accompagner dans vos ambitions de modernisation que vous portez avec une diversification de l'économie, mais sans oublier des interventions dans le domaine du développement des bases qui aident à préserver la paix et la stabilité sociale au Bénin. Aux côtés de l'Argentier national, les ministres Dona Jean-Claude Rousseau de l'énergie et Modeste Kérékou en charge des PME. Si dans le domaine de l'entrepreneuriat, le programme vise à contribuer à la création et au développement des micro, petites et moyennes entreprises inclusives, dans le domaine de l'énergie, les projets issus du programme visent à contribuer à l'augmentation du taux d'accès à l'énergie propre et en milieu rural. Et pour les 3 membres du gouvernement, c'est une avancée importante dans la mise en œuvre du PAG2. Nous avons foi que c'est un important projet qui nous aidera à
accompagner convenablement et à structurer une masse critique de petites et moyennes entreprises fortes, viables et innovantes dans notre pays. Dans le secteur de l'énergie, il ne fait plus aucun doute de la volonté et la détermination du gouvernement à faire en sorte que ce secteur éminemment stratégique puisse jouer son rôle de socle de développement socio-économique de notre pays, comme dans tout pays dans le monde. Mais particulièrement au niveau des énergies renouvelables. Au-delà de l'entrepreneuriat et de l'énergie, cette convention entre le Bénin et l'Union européenne va aussi appuyer la gestion de la réserve de biosphère du delta du Mono et au développement de l'aire marine protégée. La signature de ce jour vient non seulement confirmer la qualité de la coopération entre les deux partenaires, mais aussi et surtout la crédibilité des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement. Économie et finances, toujours ouverture ce jeudi des travaux de la 63e session ordinaire du conseil d'administration du FAGAS. Les administrateurs venus des pays membres de l'institution ont procédé, entre autres, à l'examen de la révision de la convention portant statut des tests du personnel, du règlement financier, l'examen de la politique de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre d'actions de la nouvelle vision. Le lancement des travaux a eu lieu au Novotel de Cotonou, en présence du président du conseil d'administration. Voici le compte-rendu de Clément Atchadé. Les membres du conseil d'administration du Fonds africain de garantie et de coopération économique se retrouvent après plus de 2 ans de pause imposée par la COVID-19. C'est à l'occasion des assises de la 63e session ordinaire de l'institution panafricaine qui connaît des réformes depuis 2020 pour sa modernisation et son adaptation aux besoins des acteurs économiques du continent. Une session qui se penche sur comment renforcer la gouvernance de l'institution et le développement de ses activités. À ce rendez-vous, l'ensemble des pays membres sont représentés. Le conseil d'administration se réunit ici à Cotonou afin d'examiner un ensemble de dossiers qui vont permettre à l'institution commune de se plonger vers l'avenir. Comme vous le savez, le FAGAS, c'est une institution panafricaine. Il y a 14 membres actuellement qui fait dans la garantie. Mais c'est une institution qui va désormais fixer le cap sur le financement des économies, le soutien aux PME. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour examiner un certain nombre de textes qui vont être adoptés par les principaux organes de l'institution. Cette 63e session du conseil d'administration du FAGAS intervient dans un contexte de relance de l'institution, suivant le diagnostic des 45 ans de son existence au service des économies africaines. Les administrateurs et la direction générale veulent aller vers de nouveaux paradigmes axés sur les résultats et leur impact. Pour le directeur général, la transformation du FAGAS s'impose comme un défi fondamental du moment. Les instances du FAGAS, ils ont pris à bras le corps les défis qui se présentent à l'institution. C'est ainsi que dans le nouveau plan stratégique qui couvre la période 2021-2025, les instances, en particulier le Conseil de gouvernement, a décidé de faire du Fonds africain de garantie et de coopération économique une institution moderne aux standards internationaux qui puisse être capable de répondre aux défis de financement des économies et en particulier des PME. Le FAGAS travaille essentiellement avec le secteur bancaire et les marchés financiers. Et pour l'instant, le FAGAS est en train de se procéder à une mutation et l'ambition des instances est d'innover dans les instruments de gouvernance. Par exemple, entre autres, le Bureau indépendant d'évaluation du FAGAS, qui est une instance composée des 4 banques centrales des zones monétaires du FAGAS, qui permet une supervision régulière des activités du FAGAS des organes. À l'ouverture des travaux de la session, le président en exercice du conseil d'administration a salué les prouesses des différents comités spécialisés et les organisateurs de cette rencontre de Cotonou. Pour rappel, la session est aussi l'instance de délibération sur plusieurs questions importantes de l'institution financière panafricaine au service du développement. Je l'annonçais en début d'édition, contre la flambée des prix, le gouvernement a pris des mesures diverses. Au nombre de celles-ci, l'arrêté du 17 juin 2022 qui fixe le prix de cession du ciment dans l'ensemble des communes du Bénin.
Pour vérifier l'application de cette décision, une équipe de la direction départementale du commerce du Zouz et des Collines est descendue dans les marchés et autres espaces commerciaux dans les villes de Boïcon et d'Abomey. Si par endroits le constat est satisfaisant, d'autres boutiques se sont retrouvées purement et simplement fermées. Reportage. On a été alerté que, effectivement, vous vendez l'huile au-delà du prix plafonné par le gouvernement. Nouvelle descente de la direction départementale du commerce dans les marchés de Boïcon et d'Abomey. L'équipe a sillonné plusieurs boutiques, magasins et dépôts de vente de ciment. L'opération a permis à la délégation de procéder une nouvelle fois à la vérification des prix des produits de grande consommation et principalement celui du ciment. Nous avons parcouru assez de dépôts, des supermarchés, pour vérifier une fois encore ce qui se passe en matière de la commercialisation de l'huile végétale. Nous avons constaté qu'un effort est fait en matière de respect des différents prix de cession fixés par le gouvernement. Les choses ont augmenté de prix. En dehors de ça même, l'huile qu'on fait ici, ça a augmenté aussi de prix. Ça fait pratiquement 2 mois, tout est augmenté. Il n'y en a même pas. Le prix réel maintenant, c'est à 19 200. Avant, c'est 14 500. On vendait à 1 100 francs et à 1 200. Maintenant, ça a augmenté trop. C'est tout dans les espaces commerciaux des deux villes font suite à l'arrêté du 17 juin pris par le gouvernement portant fixation des prix de cession du ciment aux consommateurs en République du Bénin. La décision fait obligation aux commerçants de livrer les produits suivant le prix fixé par l'exécutif. Dans la plupart des lieux de vente, les contrôleurs ont fait un constat satisfaisant. Néanmoins, quelques-uns ont été sanctionnés pour diverses fautes. La non-facturation est une infraction au vu de la loi. Qu'ils vous souviennent que nous avons commencé la lutte il y a plus de 2 mois et que des opérations de sensibilisation ont été faites. Donc, pour l'heure, nous sommes à l'application stricte de ces différentes mesures prises. C'est pourquoi nous avons été obligés d'aller à des fermetures systématiques pour ceux qui ne respectent pas les différents prix fixés par le gouvernement. Au-delà de ce que nous faisons, malgré les efforts que nous faisons, il semble qu'après nos départs, les commerçants verrés retournent à leurs pratiques malsaines. Et c'est pour ça que nous appelons la population à collaborer avec nous. En plus de marquer sa présence sur le terrain, les nombreuses descentes de l'équipe de la direction départementale du commerce vont permettre de maintenir la veille quant au respect des prix fixés par les autorités. Les vérifications sonnent aussi comme un rappel à l'ordre, mais aussi une répression contre les indélicats. L'exercice vise également à protéger les consommateurs contre les abus des vendeurs. Ce geste sera de plus en plus réédité, selon le directeur départemental. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à chacun et à tous.